Ouais, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la restauration du bateau. Comme vous le voyez, ça a quand même bien avancé. Bon, Alexis, pendant que j'étais pas là, il a fait le gel coat ici au fond. Il a fait le gel coat sur le caisson là. Il a fait, que vous n'allez pas trop voir, la couche de gel coat partout au rouleau. Il a mis deux couches sur toute la coque, donc la coque est presque finie. Il reste juste deux trois petits endroits à finir. Et là, il a passé une couche de laque marine. Voilà. De la laque marine justement sur la résine et tout pour donner une couleur blanche au bateau. Bon là ça aurait encore des gros défauts. C'était la première couche et on va pouvoir passer à la deuxième couche qui va permettre de donner un bon aspect. J'ai reçu beaucoup de choses dont je vais vous parler un petit peu plus tard, dont la moquette, les aciers pour la remorque, les sièges. J'ai reçu beaucoup beaucoup de choses. Donc je vais pouvoir tout vous montrer et on va bien avancer dans cette vidéo, le bateau. Voilà, bon il fait nuit, je suis désolé pour la lumière. On va attaquer ben, la moquette. Donc la moquette, ce que j'ai acheté, je vous mettrai un petit lien en description. C'est pas de la moquette marine parce que ça coûtait super cher. Donc il y en avait pour 100 € pour le bateau, j'ai dit non. J'ai trouvé cette moquette là sur Amazon, je vous mettrai un lien en description. Elle est à peine moins épaisse que de la moquette marine. C'est de la moquette d'extérieur, donc ça devrait le faire. Il y a des petits picots par contre. Donc là on est en train de juste les enlever, ça s'enlève assez bien. C'est des petits picots drainants. Et on va pouvoir la coller, collage à la colle néoprène sur le pontage. Et puis on enlève les picots et on va attaquer à coller. Au moins essayer de voir ce que ça donne. Alors, on va déjà la couper à la bonne longueur. Bon voilà, la moquette, ce que ça donne. Il nous reste encore ben, les portes à faire. Comme vous voyez,
J'allais couper pour que ce soit rara, mais du coup je savais qu'il allait falloir recouper un petit peu, enlever de la matière pour mettre la nouvelle moquette, puisque l'épaisseur de la moquette, il faut la compter deux fois sur chaque côté. Donc il va falloir que j'enlève un peu de matière. Ah, c'est nickel. Il y a deux trois endroits où ça s'est un peu décollé, on n'avait pas bien collé la moquette, parce qu'il n'y avait pas trop de poids dessus, mais c'est pas très grave, ça ne gênera pas là. On sait qu'on fera mieux sur les autres parties. Et puis ça avance bien, ça rend bien en tout cas, c'est super, super sympa là, avec la moquette grise.
Donc pour les angles, bon, je suis sûr qu'il y a une meilleure technique. Moi, ce que je fais, c'est que je garde l'angle, je le plie au milieu, je l'agrafe au milieu. Ensuite, je coupe. Ensuite, je coupe ici et j'agrafe comme là. Et ça donne ça. Bon, je suis sûr qu'il y a une meilleure technique que ça. Mais bon, les angles sont vraiment pas mal. Bon, c'est beaucoup d'agrafes, hein, clairement. Beaucoup d'agrafes. Prévoyez, si vous faites ça, prévoyez pas mal d'agrafes. J'en mets pas mal pour que ça tienne, mais du coup c'est assez propre, je suis assez content. Du coup je continue, il me reste encore pas mal. Bon voilà, ça y est, le pontage est fini. Comme vous voyez là, l'élève clenché, hop, on peut soulever avec l'accès aux batteries ici, les rangements ici. J'ai pas encore vissé parce qu'il va falloir qu'on retourne la coque pour mettre la protection des traves, donc j'ai pas encore tout vissé. Hop, le grand coffre pour les verres, le coffre de devant. Assez content, la charnière ça se voit pas, elle dépasse pas du tout, les vis sont presque pas apparentes, on les voit très peu, c'est parfait. Bon allez, on va devoir mettre le petit bouchon de nappe ici, donc pour ça il va falloir percer. Là il n'y a pas le droit à l'erreur, j'ai qu'une seule chance. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mon bouchon et j'ai rajouté un bout de tuyau, ce qui permettra d'éviter que l'eau soit en contact avec le bois, puisque mon bouchon ne fait pas toute la largeur du contreplaqué que j'utilise en table arrière. Donc comme ça, directement l'eau ne sera pas en contact. On va tous y mettre une bonne couche de silicone pour que tout ça soit bien hermétique, et comme ça l'eau ne pourra pas accéder au bois et ne pourra pas toucher le bois, et il sera protégé. Bon allez, on va percer, donc deux diamètres différents, et puis j'espère que ça va bien se passer. Putain. Pour rentrer, ça va être cool, hein. Ouais. Ça, ça va pas tout éclater, surtout. C'est cool.
et rentrer. Il y aura juste le bas. Voilà. Bon voilà, le bouchon est mis en place, c'est pas mal du tout, on va attendre que ça durcisse. Faudra peut-être qu'on le retourne là, soit couper un petit peu, soit faire un petit joint propre, en tout cas le bouchon. Il est en place, tu m'amènes le petit bout là qui vient de se glisser dessus. Clac. Et voilà. Un bouchon qui tient.